Bonjour, je vous présente aujourd'hui la déesse grecque de la victoire, Athéna Niké. Les Américains ont pris le nom Nike. Le nom Nike est inspiré de cette déesse grecque de la victoire, Athéna Niké. Une femme ailée, des ailes, capable de se déplacer à grande vitesse. Et donc la représentation la plus connue, c'est la victoire de Samothrace, une statue sans tête et sans bras, en marbre, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, restaurée à Paris à la fin du XIXe siècle et maintenant exposée au Louvre. Elle a largement influencé d'innombrables guerriers durant des siècles. Les Grecs croyaient même qu'ils gagnaient la guerre grâce à Niké. Alors, le logo de Nike, swoosh, c'est une virgule, un dessin comme une virgule, qui symbolise l'aile de cette déesse, puisqu'elle symbolise la victoire. Alors, gageons que de nombreux athlètes porteront des chaussures Nike aux Jeux olympiques de cet été 2024 à Paris.